Chers amis, je vous retrouve pour vous parler de la conjonction du Soleil à Pluton qui aura lieu le 20 janvier 2024 et qui vient influencer le premier degré du Verseau. Cette conjonction prend place exactement là où s'est faite une autre conjonction, celle de Jupiter et de Saturne, le 21 décembre 2020, jour du solstice. Cette conjonction du Soleil à Pluton vient renforcer ce que représentaient alors Jupiter et Saturne en conjonction. Ces deux planètes qui se retrouvent tous les 20 ans ont ouvert un nouveau chapitre rempli de possibilités et d'aspirations, mais beaucoup de défis. En effet, bien que Jupiter soit planète de l'expansion, de la chance et de la sagesse, et qu'elle était liée alors à Saturne, symbole de structure, de discipline et de long terme, dans le signe innovant et humaniste du Verseau, cette rencontre céleste s'est déroulée dans un contexte un peu particulier. Dans le Verseau, signe d'air connu pour son esprit de liberté, son originalité et son inclination vers le progrès social et technologique, cette conjonction donc nous a invités alors à repenser notre manière de vivre ensemble et à remettre en question nos acquis. Nous vivions alors des événements uniques et bien étranges qui ne s'étaient encore jamais produits sur le plan mondial. Jupiter devait apporter son optimisme et sa soif d'expansion, tandis que Saturne nous demandait de structurer nos ambitions et de donner forme concrète à nos rêves. Alors que nous vivions une époque difficile, peu propice aux idéaux, sous la contrainte de ce même Saturne devenu autoritaire. Cependant, cette conjonction, quel qu'ait été le contexte, lancer donc un nouveau cycle de 20 ans qui doit nous amener à une société nouvelle et plus libre d'ici 2040. Le Verseau est en signe d'émancipation. Cette conjonction nous proposait donc de nous affranchir de règles et de lois obsolètes et ne respectant pas l'individualité, dont certaines d'ailleurs caricaturales furent créées à cette occasion, dès lors que les pouvoirs Saturne chercher à imposer de nouvelles règles sociales, Jupiter, au travers de lois créant une scission entre citoyens obéissants et citoyens rebelles. Cependant, ce serait mal comprendre le Verseau de ne voir en lui que l'aspect rebelle. Il est en fait un réformateur qui voit loin dans l'avenir est capable d'adapter sa prescience à l'actualité. Or, nous avons tous un peu de Verseau et de son maître Uranus en nous. Nous le découvrons lorsque nous disons, par exemple, non à l'inacceptable. Et, bien que non soit une phrase, il n'est que le prémisse de transformations à venir grâce aux qualités d'innovation et d'à-propos du signe. Vous le savez, l'essentiel de mon propos vise à m'adresser à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, bien que je puisse parler du contexte. Le plus important n'est pas le contexte en lui-même, mais ce que nous faisons du contexte ou du décor. Nous avons toujours le loisir de nous battre avec ce fameux décor, en râlant contre l'accessoiriste, contre le décorateur, contre l'habilleur. Mais en définitive, le plus important, quel que soit le contexte, le décor, les vêtements, les accessoires, le plus important est d'oser jouer notre rôle. Et c'est justement ce que Uranus nous propose. Nous avons tous Uranus dans notre thème. Bien évidemment, cela dépend de sa position, des aspects qu'il fait, mais là où il est situé, et là où il transite en ce moment, il nous offre toutes les opportunités afin de parvenir à révéler
qui nous sommes vraiment. Uranus est la planète maîtresse du Verseau et la planète de l'individualisation, la planète du je, la planète qui représente l'aspect fils, Christ. Alors, bien sûr, question décor ou contexte, nous pourrions parler de nouvelles avancées et prouesses technologiques, notamment dans l'IA, l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est vaisseaux spatiaux, dans tout ce qui est technologie. Mais l'essentiel n'est pas vraiment de parler de toutes ces avancées technologiques dont certaines peuvent se révéler excellentes. L'essentiel est de savoir ce que nous faisons à cet égard et ce que nous faisons de notre propre vie qui nous appartient. Notre essence divine n'appartient qu'à nous-mêmes et nous devons ressentir cette souveraineté que nous avons sur notre propre vie. Le Soleil, qui entre en conjonction avec Pluton ce 20 janvier, le Soleil qui est symbole de vie, d'énergie et de conscience, vient vivifier la fameuse conjonction passée de décembre 2020 entre Jupiter et Saturne afin d'illuminer d'autant mieux notre chemin et notre compréhension des événements passés pour en tirer des leçons et donc nous permettre de choisir l'orientation à venir en fonction de ce qui a été intégré et de ce que nous voulons vraiment. Le Soleil représente la volonté spirituelle de chacun d'entre nous, volonté plus forte que toutes les autorités extérieures. Soit la différence entre ceux qui cherchent à contrôler et notre propre souveraineté. Au Soleil, notre conscience divine s'adjoint la présence de Pluton, planète de transformation, de renouveau, de régénération, qui apporte une intensité profonde à cette configuration. Sa présence souligne la nécessité d'une métamorphose radicale, de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus, afin de nous régénérer, pour renaître plus forts, plus unis et plus conscients de notre pouvoir collectif. Il représente également la volonté divine et, dans sa conjonction au Soleil, les paroles du Christ. Moi et le Père sommes un. L'histoire nous enseigne que lorsque la vie est étouffée par trop de croyances et de mensonges, une force se lève pour amener l'équilibre. Lorsque le balancier arrive à l'extrême de sa course d'un côté, il se produit un instant d'inertie, après quoi le balancier repart dans l'autre direction. Or, les changements induits durant ces moments clés sont rarement progressifs. Au contraire, ils se font sur des durées très courtes et souvent de manière brutale, sous une forme imprévisible. Avant que le balancier ne reparte dans l'autre sens, il se produit un moment d'inertie semblable à un statu quo, une rétention de souffle ou un soupir musical. Le temps semble momentanément suspendu avant que se produise l'événement déclencheur. Ce temps figé, c'est ce qui s'est passé au début de l'année 2020. Le monde entier s'est arrêté, immobilisé, durant le confinement mondial. Et puis, le balancier a repris sa course, augurant d'une période nouvelle dans laquelle nous avons à apprendre à vivre sur des bases nouvelles, avec une vision nouvelle, différente du monde, de nos sociétés et de notre vivre ensemble. Lorsque le balancier reprend sa course, des forces antagonistes commencent à se manifester. Celles de l'ancien monde, accroché à ce qui fut jusque-là, les croyances, et qui souhaite le maintenir, et celle du nouveau monde, le flux du courant de vie,
le flux du Verseau, qui aspire à autre chose, sans savoir forcément ce que sera cette autre chose. Ces forces antagonistes créent alors des schismes. De tels schismes créent des résistances à tous les niveaux. Ces résistances sont nécessaires pour aiguiser les consciences, les éveiller au nouveau contexte qui vient d'apparaître. Quoi qu'il puisse changer en nous, nous avons besoin d'un temps d'adaptation pour entrer dans une relation nouvelle avec le quotidien, avec la vie. Nous allons sans doute nous heurter aux résistances passées durant quelque temps afin d'ancrer dans le réel de nouvelles aptitudes. Cela demande notre engagement à faire quelque chose de ce qui était libéré par l'esprit du temps. Dans le cas contraire, nous risquons de nous figer dans une attitude certes nouvelle, mais qui pourrait aussi nous emprisonner. Chez tout Verseau vit un Prométhée, un être profondément impliqué dans l'évolution et le bien-être collectif. Pluton incite à une réflexion profonde sur nos structures sociales, poussant à des changements radicaux qui reflètent davantage notre humanité et notre solidarité. Avec Pluton, il n'y a jamais de retour en arrière. C'est pourquoi nous sommes invités à choisir délibérément la société dans laquelle nous voulons vivre. Une société humaine, spirituelle, fraternelle, respectueuse du vivant, ou une société purement matérialiste, égocentrée et transhumaniste. Ainsi, les deux vagues du glyphe du Verseau peuvent être vues comme le choix entre deux types de sociétés. L'une en bas, qui épouse la matière, l'autre en haut, qui épouse le ciel. De cette inévitable séparation, nous n'avons pas à nous affliger, car elle nous permettra d'apprendre à développer un plus haut bien qui nous permettra par la suite d'aider ceux qui auront chuté dans la matière à remonter vers la lumière. Quelles que soient les circonstances apparentes, le meilleur est à venir. Nous avons déjà fait un pas important vers un avenir qui corresponde à nos aspirations. Peu à peu, les consciences s'éveillent et, si ce n'est pas la majorité, souvenons-nous que la seule petite flamme d'une bougie est capable d'illuminer une pièce et d'en chasser les ténèbres. Nous tenons cette petite flamme en nous, dans notre cœur, et elle est suffisante pour éclairer notre chemin. Ainsi, petit à petit, nous nous hissons vers les plus hauts sommets, nous découvrons qu'il est possible de nous lier différemment, avec plus de joie, plus de compassion, plus de fraternité. Et c'est bien là ce que nous proposait la conjonction de Jupiter à Saturne de 2020, qui sera illuminée par le passage du Soleil et le long séjour de Pluton au même endroit durant les 9 prochains mois de cette année. 9 mois, une gestation. Nous pouvons alors, dès à présent, fonder notre espérance sur ce que nous voulons voir naître en nous et ce que nous voulons servir comme plus haut idéal. Car, bien que le destin de l'humanité soit collectif, ce que nous faisons de notre propre vie nous appartient individuellement. Et c'est à notre individualité que s'adresse cette gestation. Dans les temps qui viennent, il sera plus important de regarder en nous pour y découvrir nos trésors non encore révélés et apprendre à accueillir nos parts d'ombre dans la simplicité de notre cœur, plutôt que regarder à la marche du monde. Le monde va à lui-même, et nous, nous allons à nous-mêmes. Alors, qu'importe les cris du monde,
nous ne pouvons intervenir et aider que ceux qui sont à notre portée. Le Verseau ne nous demande pas d'être tout pour tous, mais d'être vrai avec chacun de ceux que nous sommes amenés à rencontrer, en laissant couler la générosité de notre cœur à leur égard, ou en nous éloignant lorsque c'est nécessaire. Il est une vérité spirituelle qui veut que ce que notre cœur choisit avec humilité soit accompli par la grâce qui vient d'en haut. Aussi bien, ce que nous vivons appartient à une ligne temporelle et à une densité qui nous correspondent. C'est aussi ce que représentent les deux vagues du glyphe du Verseau. Il est donc possible de naviguer entre les vagues apparemment contraires sans être affecté, parce que nous vivons notre destinée particulière et non celle du monde. De plus en plus, nous allons nous rendre compte que nous pouvons surfer sur la vague de notre foi entre des flots étrangers et y trouver néanmoins toute la sérénité voulue. Alors, nous nous souviendrons que nous sommes invités à devenir des anges humains et, nous enracinant dans cette réalité, nous déploierons nos ailes pour en faire un ciel nouveau pour une terre nouvelle. Que cette nouvelle année qui commence avec la double volonté divine du Soleil et de Pluton sous le signe fraternel du Verseau vous soit féconde et emplie de grâce.